Avec l'apprentissage, l'avenir vous sourit. Je m'appelle Gaëlle, j'ai 28 ans et j'étais apprentie en production florale et légumière. J'ai toujours bien aimé tout ce qui touchait à la nature, les fleurs. Déjà petite, j'aidais souvent ma maman à composer des parterres de fleurs et du coup, j'ai décidé de me lancer dans l'horticulture et ça m'a plu. J'ai commencé par intégrer une maison familiale à Arolles et c'est là que j'ai trouvé ma voie, donc j'ai décidé de continuer par un apprentissage. J'ai commencé par un CAP, après j'ai enchaîné sur un BEPA et j'ai terminé sur un bac pro. Moi je pense que l'apprentissage ça m'a permis d'apprécier les cours. C'est vrai que j'étais pas très théorique, on va dire, et le fait d'allier la pratique à la théorie, ça m'intéressait. Je pense que dans ce métier-là, il y a la théorie, mais il y a surtout la pratique. Grâce à l'apprentissage, j'ai donc participé aux Olympiades des métiers et j'ai été sélectionnée troisième au niveau national. Ça m'a permis de partir au Japon, encourager l'équipe de France. Et au Japon, c'était grandiose. C'était surdimensionné. Il y a une culture différente de la plante, beaucoup de bonsaïs, des bambous, pas beaucoup de plantes fleuries, mais du coup, eux là-bas cultivent le chrysanthème, par exemple, comme des bonsaïs. L'apprentissage, ça fait voyager, oui. Alors aujourd'hui j'ai 28 ans et ça fait 5 ans que j'ai repris le poste de responsable de la production florale. Je suis chargée en fait de produire toutes les fleurs qui se trouvent dans la ville d'Épinal. Moi ma mission elle s'arrête quand les plantes partent dans les massifs en ville. Là c'est fini pour moi, j'ai plus qu'à les contempler en ville. Quand je me balade en ville, c'est vrai que je repense au moment où j'ai semé certaines plantes, où je les ai bouturées. Et ouais, je suis contente de voir ce qu'elles deviennent. Et quand la ville conserve sa quatrième fleur, j'y suis un petit peu pour quelque chose, moi et mon équipe. Donc du coup, on est fiers. Aujourd'hui, je suis très contente de mon travail. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup et je suis fière d'être à ce poste-là. Aussi, trouvez la bonne voie. Rendez-vous sur cma-vosges.fr.